Le message du jour vous est présenté par notre frère Marc. Salut, chers bien-aimés de notre Père Céleste. Nous continuons avec la raison pour laquelle nous devrions nous occuper des égarés. Raison numéro 5. Dieu a choisi les chrétiens pour partager la bonne nouvelle avec les perdus. Bien-aimés, le principal moyen de Dieu pour atteindre les perdus n'est pas les anges ni les expériences surnaturelles, mais les chrétiens. Il a choisi d'utiliser les pécheurs rachetés et pardonnés pour atteindre les pécheurs non rachetés et non pardonnés. Nous ne saurons ou ne comprendrons peut-être jamais pourquoi Dieu nous a choisis pour porter son message, mais cela devrait nous motiver et nous défier. Paul a insisté sur ce point. Comme le dit l'Écriture, quiconque se confie en lui ne sera jamais confus. Car il n'y a pas de différence entre juifs et païens. Le même Seigneur est le Seigneur de tous et bénit richement tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment alors peuvent-ils croire en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment peuvent-ils entendre sans que quelqu'un leur prêche? Romains 10, 11 à 14. Bien-aimés, Paul a conclu en disant « Par conséquent, la foi vient de l'écoute du message, et le message vient de la parole du Christ. » Romains 10, 17. En partageant la parole du Christ, nous aidons les gens à venir à Christ. Et c'est ce que nous sommes tous appelés à faire dans la grande commission. Que Dieu nous bénisse tous. Profitez de votre journée en lui. À demain. Au revoir. Si toi aussi tu crois que la parole de Dieu est une bénédiction, partage-la et sois une source de bénédiction pour les autres toi aussi.